Bonjour mes petites bananes, j'espère que vous allez bien. Bah qui c'est celle-là? Je sais pas, je la connais pas. Je me présente, je m'appelle Jenny. Et je viens sur la chaîne d'Emmy pour une collab. Trêve de galéjaude les bananes, je suis Jenny de la chaîne Au pays de Jenny. Et aujourd'hui, je viens défier Emmy de la chaîne Emmy So Beauty sur un petit maquillage, mais alors un petit maquillage, disons, d'une artiste dont on n'a plus besoin de citer le nom. Le défi, c'est de reproduire un maquillage qu'Emmy aura choisi parmi trois maquillages que je lui ai proposés de Marion Caméléon. A-t-on besoin de citer le talent de l'artiste? Non. Alors, Emmy, bonne chance. Salut les filles, salut tout le monde, je suis ravie au lit de pouvoir accueillir sur ma chaîne par la grande et la magnifique internet quand même qui nous permet aujourd'hui de se retrouver pour un petit défi. Je ne sais pas si Jenny vous l'a expliqué ou non, mais en tout cas, on s'est lancé le défi de reproduire un tuto, un make-up de Marion Caméléon. Alors, j'espère que tout comme moi, vous aurez été ravis au lit de voir Jenny sur ma chaîne. En tout cas, moi, ça me fait grave plaisir. Je l'ai déjà dit, mais moi, Jenny, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, que j'adore vraiment, qui me fait beaucoup rire, Bref, j'adore Jenny tout simplement. Donc, sur ce, écoutez, ma Jenny m'a proposé un de ses trois make-up, lequel j'ai choisi à votre avis. Et moi, je lui ai proposé un de ses trois make-up. Évidemment, vous aurez le lien de sa chaîne et le lien de la vidéo en collaboration avec moi, du coup vous aurez tout en barre d'infos. J'ai trop hâte de découvrir déjà le make-up de Jenny parce que je n'ai aucune foutre idée de ce qu'elle a pu faire, donc j'ai trop hâte de voir tout ça. Et moi, pour le coup, bah, je vais vous laisser sur le maquillage que j'ai choisi de faire. Dans un premier temps, j'ai gommé mon sourcil à base de colle UHU parce que j'avais vu Marion le faire tout simplement. Je délimite ma zone que je vais remplir, j'allais dire peindre, non, remplir en blanc avec mon fard blanc. De toute façon, vous avez les références comme vous venez de le voir à l'image, tout simplement. Et donc, je viens remplir ma zone blanche avec ce petit fard Révolution. Je viens fondre ce fard. Alors clairement, Marion a raison, on sacrifie clairement une éponge parce que elle est irrécupérable, mais je viens fondre tout le fard blanc pour que ce soit un petit peu plus homogène. Et comme pour ma délimitation en blanc, je viens délimiter avec un petit crayon rouge la zone que je vais remplir en rouge. Oui, bravo! Je viens évidemment remplir donc la zone rouge avec mon petit fard. Je suis restée chez Révolution évidemment puisque c'est vraiment les seules choses comme ça avec des pigments que j'ai. Ensuite, je viens prendre mes petites paillettes rouges. J'aurais clairement dû mettre ma glitter glue de chez Révolution, encore une fois, parce que je pense que vous le voyez en image, j'ai eu quelques chutes, mais bon, c'est rien de grave. Et finalement, je dois vous dire que ça a plutôt bien tenu. J'ai dû démaquiller un nombre de fois incalculable. Et évidemment, comme pour la zone rouge, j'ai pris des paillettes blanches un petit peu holographiques pour ma zone blanche.
À l'aide de ma colle à fossiles, je viens coller toutes les gouttes que j'ai fabriquées au pistolet à colle. C'est très très long. A few moments later. Voilà le résultat. Ensuite, je viens faire mon creux de paupière avec une poudre de contour. Encore une fois, vous avez les références. Là, je viens passer un petit coup avec un petit fard comme ça, un petit peu holographique, pailleté comme ça. Je viens reprendre mon fard blanc que j'ai poudré. Je vous le précise parce que ça ne se voit pas, mais je l'ai poudré à la fin. Parce que sinon, c'est trop gras et il finit par se barrer tout seul. Mais voilà, j'ai pris mon fard blanc. Vous avez les références encore une fois à l'image. Et là, j'ai pris un petit rouge à lèvres rouge. Mat et du coup je viens faire mes petits traits qui sont un petit peu grossiers, mais je t'avoue que sur une zone aussi petite c'est pas évident. Je viens coller ensuite toujours les petites cannes à sucre, là les petits sucres d'orge, voilà, toujours avec la colle à fossiles que j'avais fabriquée avec toujours mon pistolet à colle. Ensuite je reprends la poudre qui m'a aidé à faire mon creux de paupière, donc c'est une poudre de contour, hein. Et là je viens faire comme Marion l'indiquait dans sa vidéo, je viens un petit peu ombrer. Alors évidemment je le fais pas partout parce que sinon ça serait vraiment trop bizarre, mais je viens de temps en temps rajouter une petite touche là où ça me dit bien de le faire, tout simplement. Il faut y aller aussi un petit peu au feeling, je crois, hein. Mais voilà, j'essaye de faire un petit peu d'ombrage. J'ai appliqué du mascara et des fossiles et je vais passer aux lèvres avec un embout gloss. Je reprends mon fard blanc qui m'a servi à faire ma coulure. Je sais pas si ça se dit comme ça. J'ai dû le poudrer encore une fois parce que c'est très très gras et ça se déplace très facilement. Donc après l'application, je l'ai poudré. Et comme pour le liner, j'ai repris la même référence du rouge à lèvres rouge pour faire mes traits sur les lèvres, tout simplement. A few moments later. Et voici le résultat final. Faire mon autocritique parce que c'est important. Question des lèvres, alors j'ai malheureusement l'habitude de faire quand je porte du rouge à lèvres normal, donc du coup j'ai fait aussi en portant le quadrillage, donc évidemment c'est dégueulasse. Je pense que j'ai au montage j'ai fait un peu rapidos pour qu'on voit pas trop ce détail là, mais clairement il manque une bande, je sais plus, je crois que c'est sur ce côté là il manque vraiment une bande. J'aurais pu faire une bande rouge, il me semble. Clairement, autocritique 2, j'ai quand même fabriqué les cannes à sucre et les gouttelettes à base de pistolet à colle. Donc je me suis fabriqué ça le soir avant, j'ai branché mon pistolet à colle et j'ai mis sur une surface plate, pardon, des fils de colle, donc en forme de canne, en forme de goutte, et j'ai mis du vernis, enfin j'ai traficoté tout ça, et donc le lendemain me voilà en train de tourner cette vidéo. C'est quand même pas très beau, hein. Les sucres d'orge sont d'une mocheté, c'est incroyable. Mais écoutez, je me suis débrouillée avec les moyens du bord. Soyez indulgents avec ça. Pareil pour le sourcil, j'aurais pu le coller beaucoup plus. Écoutez, je fais mon autocritique, hein. Il faut quand même, hein. Mais je trouve quand même que pour quelqu'un qui n'a pas de matos, c'est pas trop mal réussi, je trouve. Qu'en pensez-vous, franchement? Dites-le moi en commentaire parce que j'ai besoin de votre soutien, là. Quand même, c'est quand même pas le make-up de Marion Caméléon, hein. C'est quand même, elle est là-haut, hein. Moi je me vois même pas. J'espère quand même que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai eu du mal à dire cette phrase, c'est pour ça que je découpe.
Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais à tous et à toutes de très gros poutou poutou. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.